c'était à la fois un homme cultivé, très cultivé et en même temps passionnel, un homme engagé aussi qui a défendu ses idées tout à fait fortement. En même temps, c'est un homme très humble et très généreux qui ne plastronnait pas. Et je crois que sa ligne, sa réussite, c'est d'être resté toujours lui-même à travers ce qu'il a fait, aussi bien dans des spectacles extrêmement populaires, comme dans un cinéma aussi populaire que comme dans des œuvres beaucoup plus fragiles, intimes et parfois même difficiles.